Bonjour, bonsoir YouTube, comment on va? On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la réalisation de cette tenue beige. Enfin, me direz-vous. Oui, je sais, j'ai été assez inactive ces derniers temps sur YouTube, mais les cours ont repris, j'ai donc plus de travail personnel à fournir afin de rattraper mon retard. Enfin bon, c'est tout un programme assez chargé pour moi cette année, donc ce qui veut dire moins de vidéos sur YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour la deuxième partie de la réalisation de cette tenue, qui est la conception de la veste. Alors premièrement, on va analyser ensemble la chose. On a une base de veste normale, c'est-à-dire au niveau du buste et des manches, c'est quelque chose de simple, des manches près du corps. Ensuite, nous avons une basque qui retombe sur la jupe. Alors pour les amateurs en couture et les autres, une basque, c'est une partie découpée et tombante sur certains vêtements. Merci Wikipédia. Donc pour ce faire, j'ai pris un patron de veste déjà existant que j'avais, à mes mesures évidemment. Et pour la basque, j'ai dû faire le patron moi-même, que l'on appelle prototype. Je suis très contente, aujourd'hui a été une journée très 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 productive. Il y a juste un tout petit truc qui me chiffonne au niveau du dos. Vous avez vu les images normalement, mais ça remonte ici. Donc je sais pas si je dois ajouter sur les côtés pour que ça fasse bien, je sais pas. Demain je vais réessayer complètement la tenue avec le corset etc. Et on verra ce que ça donne. Mais sinon je suis très 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 contente du résultat. Je suis assez fière pour une première fois faire moi-même quelque chose. Wow ! Voilà. Là maintenant tout de suite, il faut que je fasse un truc sur mon jupon de tulle. Puis on se voit demain pour le reste. Demain hein ! Raté la transition, je sais. Nous sommes le mercredi 14... octobre, pas novembre. J'ai donc fait le prototype. Quand j'ai découpé au pli marchand ma pièce de dos, j'avais oublié d'enlever les valeurs couture sur le milieu. Du coup, je les ai juste rattrapées là avec un simple point de bâti. Je me sens vraiment professionnelle à dire tous ces termes, donc je connais. Du coup, maintenant ça va mieux. Et il y a juste la taille qu'il faut que je... Il faut juste que je la remonte. Voilà, sinon tout va bien. Thank you.
je vous ai pas énormément parlé face caméra parce que j'étais tellement concentrée à finir cette veste, à savoir ce que j'allais faire, ce que j'allais mettre, ne pas mettre, enlever. Ça a été un petit truc assez compliqué. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est la fermeture devant. Et je vais opter pour des agrafes parce que c'est ce qui me paraît le plus logique maintenant. Mais sinon, elle est finie. J'ai fait un dos qui me paraissait logique. Puisque je vous rappelle que j'ai une gravure en tant que modèle et que la gravure, on ne voit pas sous toutes les formes. Je dois reprendre certains endroits aussi pour pas que lorsque je danse ou que je marche, ça s'écafoire tout. Hein, on va éviter de se déshabiller dans tout le monde. Il y a plein de trucs que j'aurais dû faire avant d'avancer dans mon projet, mais bon, c'est pas grave. Pour une veste que j'ai essayé de faire sur mesure, où j'ai fait un pas trop moi-même, j'ai rajouté des choses, ou même les manches que j'ai modifiées. Je me suis pas mal débrouillée, surtout pour une tenue qui a des formes circulaires, ce qui n'est pas le plus facile à faire. Hein. Ça aurait été des lignes droites, tu fais pareil de l'autre côté, voilà, on n'en parle plus. Mais là, hein, non. Donc voilà, aujourd'hui je fais ça, je suis assez fière de moi. Bon, faisons ces fermetures. Bon, cette vidéo est terminée, vous allez voir le résultat dans quelques temps. J'espère que tout ce processus vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris beaucoup avec moi. Tous les petits conseils que je vous ai donnés, c'est après coup, vu que j'ai monté la vidéo bien après avoir filmé toutes ces petites séquences. Prenez-les en compte si vous êtes débutant, vraiment débutant, que vous n'avez jamais touché un fil, une aiguille, une machine à coudre de votre vie. Ça peut servir. Pour la suite, je pense que soit cette année, en fin d'année, ou l'année prochaine, j'aimerais beaucoup faire des photos avec cette tenue sur Vichy, puisque non, mais Vichy, c'est mon amour. Hein. J'espère vraiment que je pourrais faire des photos à Vichy, sinon je sais qu'il y a pas mal de châteaux avec de beaux jardins dans la Loire, donc j'irai voir un peu tout ça. Sinon, j'espère réellement que cette vidéo, ces deux vidéos sur cette tenue vous auront plu. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à activer la cloche sur toutes les notifications et à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions sur la tenue ou sur une étape du processus. Pour ce, je sais que vous voulez le résultat, vous voulez voir un petit peu, donc je vous laisse avec les images que j'ai essayé de filmer. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao, goodbye!
Il me semble que c'est ça en fait, c'est que j'ai pas assez de... Ou alors c'est juste que j'ai trop... Ouais, je sais pas.